les ventes de Kassem Riyad. Je suis résident à Tizernif. Bien, ça fait Tizernif, elle est abandonnée. De A à Z, ça fait quelques à madame. Tizernif, elle est abandonnée. Ça, c'est des gens qui ne travaillent pas. D'une. Deuxièmement, on ne les voit jamais dans la rue. Trois. Quatrièmement, à chaque fois que tu demandes un truc, ça fait 9 mois. Il y a des éclairages publics à la sortie de Tizernif, sur la route de Kaderia. Les potos, il y en a. Des câbles aériens, c'est interdit. Normalement, que ça soit souterrain. 9 mois de réclamation au niveau de la mairie, rien qui se fait. À ce jour, on ne sait pas où on va aller avec Tizernif. Et on demande à M. Louali de s'occuper bien de Tizernif et de regarder ces gens qui travaillent. Qui travaillent, qui foutent rien du tout. Tout le temps dans les bureaux, ils ne sont même pas à l'extérieur. C'est ça qu'on vous demande, madame. C'est pas de fait de venir et de dire ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. M'y foutent rien, madame. On n'a même pas de trottoir. Les gens, ils savent même pas où marcher. Ils ont même pas où marcher. Ils ont même pas où... On dirait qu'ils ont tous des cartes grises. Ils n'ont pas de carte d'identité. On a rien du tout ici, madame. On est abandonné. Surtout au niveau des élus, là, qui foutent rien du tout. Vous verrez, vas-y, au niveau du centre-ville. Vous sortez, vous allez voir tout, madame. Des poubelles. L'éclairage public qui ne s'allume pas, des gens qui marchent dans la rue, ils ne rien du tout, madame, rien, ils font rien du tout. Pour Tizernif, on n'est rien pour rien. Merci, et je crois que M. Louali va m'entendre et de voir ces élus-là qui font rien du tout. À Tizernif, actuellement, de A à Z, il y a des routes. Ça fait presque 3 ans qu'ils ne sont pas faites. 3 ans, 4 ans. Ils viennent, ils font 10 mètres, ils se barrent. Pourquoi leur matériel, il est en panne. La poussière. De l'eau, il n'y en a pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Où est-ce qu'on va aller à Tizernif? On a tout ce qu'il faut ici. Des maisons, des gens bien, des gens intellectuels. Mais ces élus-là, ils n'ont rien du tout. Ils font rien du tout, madame.